De mes abonnés, nous allons aller, hein, nous allons aller, voilà, il y a quelqu'un qui a dit ici, on ne vous calcule même pas, merci, allez, bloquez tout. Nous allons rentrer en zone de turbulence. De quoi il s'agit? Il s'agit comme ça, famille pompez le cœur, partagez-moi cette vidéo. Il s'agit comme ça, d'une affaire dont les gens prennent ça pour un buzz. Famille, c'est pas un buzz. Famille, c'est pas un buzz. C'est une réalité. On a en face de nous aujourd'hui l'homme le plus dangereux de la Côte d'Ivoire, que j'ai surnommé ici Pasteur Lucky Luke. Quelqu'un qui détient une arme illégalement dans un pays doté de règles, dans un pays avec une loi. Famille, partagez-moi cette vidéo. Pompez le cœur, les têtes de mort sont arrivées. Parce que j'ai ouvert la bouche. Ça va chauffer. Alors, nous avons en face de nous quelqu'un qui, comme ça, menace des individus avec une arme à feu, rien que pour baisser leur culotte. Famille, ça va se passer. J'ai dit, tellement Facebook va se casser. Mark Zuckerberg, là, il va appeler Alassane Ouattara pour lui demander, ton peuple ivoirien, là, you. Tellement on va casser Facebook. Mark Zuckerberg va commander, Mark Zuckerberg là, il va demander rendez-vous, il va demander audience à Ouattara. Ils vont se croiser et puis il va demander comme ça au président Ouattara. Ton peuple là, c'est qui? Ouattara va lui dire. Si on te demande, faut dire que tu sais pas. Parce que moi-même, président de la République là, je n'arrive pas à cerner mon peuple. Mon peuple est un peuple qui voit pas Congo ça et puis ils vont passer. Ça ne chauffe pas. Merci beaucoup, Guy Rose. Vous comprenez, famille? Sarah Adier. Alors, j'ai dit ici, si vous vous rappelez, famille, j'ai dit dans l'une de mes vidéos, à ce pasteur Macaroni, ce pasteur Lucky Luke, ce pasteur Satrape Voleur, je lui ai dit que tout ce que tu es en train de faire aux petites filles, tout ce que tu es en train de faire aux dames, il aura une petite fille qui va venir te t'étaler sur la toile. Est-ce que j'ai dit ça ou j'ai pas dit ça? Souvenez-vous de ma vidéo. Je lui ai dit, tout ce que tu es en train de faire là, il aura une petite fille venue de nulle part. Venue de nulle part. On ne sait pas où elle est quittée. Elle va venir comme ça et elle va t'étaler sur la toile. Famille, ça s'est réalisé ou ça s'est pas réalisé? Ça s'est réalisé ou ça s'est pas réalisé? Alors, ce pasteur, réellement, il détient une arme à feu. Il détient une arme à feu. Il n'a pas de permis de port d'âme. Ce monsieur n'a pas de permis de port d'âme. Aujourd'hui, sa guénonne de sœur, son huistiti de sœur, sa beva de sœur, nous a dit que demain le pasteur Lucky Luke sortira comme ça un permis de port d'âme. Aujourd'hui, qui l'allait voir pour faire le permis de port d'âme là? Nous, on va savoir ça demain. C'est qui ce beva là, ce pasteur salaud, est allé voir pour trafiquer un permis de port d'âme? Nous là, on va savoir ça demain. Et on a assis sur le tabouret du gouvernement. On les regarde et puis on va parler avec eux. Ça chauffe pas, famille. Voici un homme qui se victimise tout le temps devant les gens. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma femme. Ils sont en train de me... Hé, on s'en fout de toi. Pasteur Macaroni, nous on s'en fout de toi. Tu as perdu ta femme là, c'est une joie pour toi. C'est une joie pour toi. Parce que tu as perdu ta femme pour te venger sur des petites filles. Ce que tu faisais en cachette là, maintenant là, tu fais ça aux yeux et au sud de tout le monde. Alors, de quoi parle le test? On me dit ici que le pasteur Lucky Luke n'a pas menacé une fille. Il a bel et bien menacé une fille avec une arme à feu. Quand on dit à quelqu'un, je compte à trois, tu sors de mon bureau.
Quand on dit à quelqu'un, je compte à trois. Bon, si tu as compté à trois et que cette personne-là n'est pas sortie de ton bureau, qu'est-ce qui va se passer? C'est une menace ou c'est pas une menace, famille? Quand on dit à quelqu'un, je compte à trois, tu vas sortir d'ici. Sinon, tu vas comprendre. Alors, si cette personne n'est pas sortie, qu'est-ce qui va se passer? Question. Alors, ce qui va se passer, je vais sortir mon âme. Vu que j'ai une forme de mindset, vu que j'ai une forme de brindis de balai, vu que j'ai une forme de bouchette d'allumette, dont je ne peux rien faire. Ma seule force aujourd'hui là, c'est sortir une arme. Donc s'il compte à trois et que cette fille n'est pas sortie de son bureau, il sortira une âme. Et il a sorti une âme, d'abord un, pour coucher avec cette fille-là, il a sorti son arme. Et de deux, il a menacé cette fille-là. On me dit ici tantôt, pourquoi il a menacé cette fille et puis elle est revenue au bureau. On dit pourquoi il a menacé cette fille auparavant et elle est revenue encore chez lui. Elle est revenue, lui, s'il lui donne beaucoup d'argent, elle va revenir. Parce que quand il a menacé et puis elle est sortie, il a appelé après pour lui dire, viens dans mon bureau. Elle est revenue. Quand il propose beaucoup d'argent, elle ne fait que sauf que coucher avec lui. Famille, je vous ai dit, ce qui est arrivé à Sarah Messala, c'est le karma de ça. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Qu'on dise que c'est Buzz de Flora, qu'on dise que c'est Sarah Messala, c'est la voix de Buzz de Flora, c'est la voix de temps. Famille, je m'en fous de ça. Je m'en fous que ce soit Buzz de Flora. Je m'en fous que ce soit Sarah Messala. Je m'en fous que ce soit Apoutou. Ce que je retiens là, c'est que ce pasteur Macaroni là, j'ai entendu sa voix dans la vidéo. Et il a menacé la fille réellement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un pasteur qui est doté d'une arme à feu. C'est un pasteur qui a une arme à feu. Alors c'est un danger pour le peuple africain. Pas seulement la Côte d'Ivoire. Parce que dans toutes ces conventions où il va en Afrique, il a une arme en main. Il a une arme en main. Donc, la façon dont il a giflé une femme au Cameroun, on va revenir. C'est comme ça, il peut tirer sur quelqu'un. Si sa bête a trop chauffé, si sa tête a trop chauffé, il risque de tirer sur quelqu'un. Il a giflé au Cameroun. Imaginez-vous, s'il est trop fâché, il risque de tirer. C'est un danger pour l'Afrique. Cet homme-là doit aller en prison. Alors, on s'en fout du fait que c'est la voix de Flora, que c'est la voix de Sarah Messala. Nous, on s'en fout de ça. On sait que ce type-là, c'est un criminel. Merci, maman Oumou Primature. Maman Moni Digbe, comment tu vas? Nous, on sait que cet homme-là, c'est un criminel. Et sa sœur a confirmé qu'il a une arme à feu. Et lui-même, le jour où il comptait l'argent dans son bureau, rappelez-vous de cette histoire. Le jour où il comptait l'argent dans son bureau, il a dit comme ça, que lui, il a une arme sur lui. Et que celui qui rentre dans son bureau pour venir le braquer, il va tirer sur la personne. Mais pourquoi aujourd'hui on voit des chiens de chasse? Pourquoi aujourd'hui on voit des experts de Miami qui viennent mener les enquêtes, qui viennent décortiquer les vidéos? Vous savez très bien que celui que vous défendez là, c'est un pervers narcissique. Vous savez que c'est un homme qui couche avec des filles, qui va parler sur les plateaux télé. Vous le savez? Vous le savez que c'est un homme qui filme les filles. C'est un homme qui sort avec les filles, qui les appelle gibier. Donc sa réputation là, elle est collée sur lui. Tu vas beau chasser le naturel, il reviendra au galop. Makoso, sa seconde nature là, sa seconde nature, c'est la perversité. C'est un pervers. C'est un pervers. Famille, partagez-moi la vidéo. On va parler tout à l'heure. Partagez-moi au maximum la vidéo. Alors, sa sœur nous dit comme ça que son frère a réellement une arme à feu et que demain, il viendra pour dire pour comment il a le passeport diplomatique. Question que nous, on lui a posée depuis longtemps, il n'a pas répondu là. C'est demain, il viendra nous dire pourquoi il a un passeport diplomatique. C'est demain, il viendra nous dire comment il a une arme à feu et comment il a reçu comment on appelle
son autorisation d'avoir une arme à feu. C'est demain, il viendra nous dire. Alors, où il est passé ce matin? Makoso n'a jamais retardé quand il y a un buzz. Il sort le même jour. Mais aujourd'hui, il a eu le temps d'aller voir qui je sais pas, pour dire à la personne, donne-moi un permis de port d'armes et donne-moi la raison du passeport diplomatique. Famille, gouvernement de Côte d'Ivoire, faites très attention. Nous ne sommes pas des larbins. Nous ne sommes pas des gawas. Nous là, on vous suit à la lettre. Nous là, parce que nous, notre argent, l'argent du contribuable est avec vous. Donc on veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Nous là, on veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Petite erreur, vous allez lire avec Makoso. Ce sale voleur de merde, agresseur sexuel, avec une famille de pitois, avec une famille de bon à rien, des partisans de moindre effort, des vendeuses de tchatcho, des personnes qui poussent nos sœurs à devenir jaunes, nées noires. On parle de qui? On parle d'un agresseur sexuel. On parle de quelqu'un qui sort une arme contre une femme. Je m'en fous de la voix de qui que ce soit. L'essentiel là, dans la vidéo que Apuchu a montré, il a dit dans cette vidéo là, je compte à trois, tu vas sortir d'ici. Bon, si trois arrivés et puis la personne n'est pas sortie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une grande menace. Qui dit à quelqu'un, tu vas souffrir. Dans la vidéo, j'entends qu'il a dit à la personne, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Le fait de dire à quelqu'un, tu vas souffrir, est une menace. Alors, tu vas sauf que faire la prison. Maintenant, il y a deux cas. Maintenant, il y a deux cas. Ou soit, cette histoire a été montée de toutes pièces pour mettre Apuchu dans les problèmes, pour que Makoso refasse un buzz. Famille, écoutez-moi bien. Ou soit, c'est Makoso qui a monté ce coup lui-même pour revenir sur la toile, pour avoir des vues encore et des abonnés, parce qu'il ne sait plus où partir. Le Cameroun l'a vomi, la Côte d'Ivoire l'a vomi. Donc, il risque de créer un buzz sur ça. Cette fille-là va aller donner les papos à Apuchu. Et Makoso va sortir pour venir se victimiser, pour venir faire pitié, pour trouver raison sur cette histoire. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, cette fille-là, nous, on va la connaître. Cette fille-là, nous, on va la connaître. Famille, partagez-moi cette vidéo. Merci, Bélange Gobry. Famille, partagez-moi cette vidéo. On va monter en zone de turbulence. Je répète, si c'est autrement, c'est que Makoso a dû organiser, ce pasteur Luc Luc a dû organiser un buzz pour pouvoir venir se défendre avec quelques preuves qu'il a dans son téléphone. Vous comprenez? Avec quelques preuves qu'il a dans son téléphone pour venir se victimiser devant nous. Pour venir nous dire, ah, la famille, voilà comment ça s'est passé, voici comment ça s'est passé. Mais, hey, toi, tu vas sauf que périr dans ce pays. On va t'éradiquer de cette toile. Makoso est capable de tout. Fais très attention à lui. Alors, j'interpelle Makoso lui-même. Monsieur pasteur Luc Luc, pasteur voleur s'attrape, je t'interpelle. Je vais te donner un conseil. Tu sais, Le don que tu as pour faire du mal, le don que tu as pour mentir et pour voler, le don que tu as dans le mal, si tu prends ce don et puis tu fais le contraire de ça, tu rends ça en bien, je te jure, monsieur Makoso, que tu seras un monument en Côte d'Ivoire. Je répète. Le don que tu as de mentir et de faire du mal, si ce don-là, tu prenais pour rendre ça en bien, je te jure que tu seras un monument en Côte d'Ivoire. Parce que tu as l'art de la méchanceté. Tu as l'art du mensonge et tu as l'art du vol. Mais si tu prenais cette intelligence dans le mensonge pour mettre ça aux côtés du bien, tu seras un grand homme en Côte d'Ivoire.
Peut-être que tu seras président de la République. Mais comme ta nature et tes gènes, c'est la médiocrité qui est dans ta nature et tes gènes, donc tu vas sauf qu'elle est restée comme ça. Alors, famille, je vais passer au deuxième cas. Avant le deuxième cas, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je suis devenu frais et pourquoi je suis devenu un mignon. Le teint qui parle, ça chaille une famille. Hein? Voilà le teint. Regardez, regardez comment je me suis bien gommé. Famille, c'est grâce à cette gamme. MNA, MNY. Famille, nous avons ici la crème. Nous avons ici toutes les crèmes. Voici la gamme. Famille, la gamme qui est là est de 6 gammes, famille. C'est la gamme VIP, regardez. Voici le gommage. C'est ce qui a rendu mon teint comme ça. C'est ce qui a rendu ma peau comme ça plutôt. Voilà, bien lisse, bien frais, voilà ça. Voici le sérum. Famille, je vais vous présenter rapidement et puis on va partir. La gamme VIP, regardez ça. Regardez l'emballage. Voici la gamme VIP. Elle a son huile. La gamme a son huile, a son lait. Ce lait-là, c'est le lait de thym métis. Voilà. C'est thym métis. On a le savon qui est là. Voici le savon. Très bon, famille. Contactez le numéro qui est en haut. Et vous aurez ces pommades. On a pour la gamme noire. Ça scie le thym. Ça n'éclaircit pas. Il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Il n'y a pas de produit néfaste. C'est une très, très belle pommade. J'ai testé. C'est ça, je me lave en ce moment. C'est ça, je me pommade en ce moment. Je n'ai rien pour les lèvres. J-Wiz, pardon, faut pas me dire. Oh. J-Wiz. Alors, famille, on va maintenant monter en cascade. Bipez-moi les Camerounais ici. Voici un peuple malade. Voici un peuple mazo. Excusez-moi du terme malade, mais je n'ai pas dit que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes très intelligent. Voici un peuple fier. Voici un peuple très intelligent. Lui, on livre à Abidjan. Appelez le numéro. Voici un peuple fier. Voici un peuple digne. Voici un peuple, comment on appelle, très, très orgueilleux. Pourquoi je dis orgueilleux? Parce que c'est un peuple, Staline Ada, comment tu vas ma personne? La blogueuse des temps. Voici une femme, Staline Ada. Allez vous abonner à sa page, famille. C'est une Gabonaise. Mais de ouf. Elle a de bons thèmes. Alors, famille, bipez-moi le peuple camerounais. Je vais parler au peuple camerounais. Famille, vous savez, tout ce remue-ménage, tout ce brouhaha a été créé depuis longtemps. Ça fait des mois et des mois. Avant la CAN, tout a été préparé par ce pasteur voleur. Je vous explique. Ce pasteur voleur, c'est que son chiffre d'affaires, là, c'est au Cameroun, il fait ça. Il sait qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui peut lui donner assez d'argent que les femmes camerounaises désespérées. Voilà pourquoi, depuis avant la CAN est bien tombée. À quelque chose, malheur est bon. La CAN est bien tombée. Makosso a pris cette CAN-là pour faire sa publicité parce qu'il comptait aller comme ça dans une convention au Cameroun. Et il sait qu'au Cameroun, c'est là-bas qu'il a plus d'argent. C'est au Cameroun qu'il trouve comme ça son chiffre d'affaires. Sinon, dans d'autres pays en Afrique, ils l'ont vomi parce qu'on sait que c'est un voleur. Alors, peuple camerounais, je vais vous dire que Makosso, tout ce qu'il est en train de faire à Tagana, qui s'appelle quoi, il allait faire au Cameroun. Famille, après sa convention, il va vous narguer, il va vous insulter. Il va vous prendre comme des serpillères. Faites très attention à lui. C'est un danger pour le peuple. C'est un démon en cavale. C'est un individu très, très dangereux. Parce que il sait, depuis, ça fait 6 mois de cela, Makosso Camille a préparé sa convention au Cameroun. Donc tout le buzz sur l'histoire du Cameroun, comme d'abord il sait qu'il a giflé une femme dans une église au Cameroun, il sait que le Cameroun l'a vomi. Donc, pour retourner au Cameroun, pour aller faire son chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'appeler Atagana. Famille, faites très attention à ce monsieur. Faites très, très attention à ce monsieur. Toutes les photos que vous voyez avec Samuel Eto'o, parce que quelqu'un qui va dire
que Samuel Eto'o s'est servi de sa notoriété pour être un anarcheur, pour voler le peuple de Comore, pour marmailler la canne. Famille, vous pensez qu'il a mis avec Eto'o? Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Merci ma personne Fatou Dosso. Sois salué depuis ta position, maman. Je te claque un gros bisou. Famille, vous croyez que façon il a terni le nom de ton fils, façon il a insulté ton fils, il a traité ton fils d'arnaqueur, il a traité ton fils de voleur. Vous pensez que il va pas refaire ça une deuxième fois? Il va bel et bien refaire ça une deuxième fois. Alors, pourquoi aujourd'hui Makosso est devenu le camarade des Camerounais? Parce que sa convention est proche. Le 15 février. Voilà pourquoi aujourd'hui il s'appelle Atagana. Mais à partir du 16 février, il va s'appeler Général Makosso. Il va vous narguer, peuple camerounais. Faites très attention à lui. Arrivez au Cameroun, rejetez-le dans le même avion qu'il retourne dans son pays. Vous pensez que Makosso aime quelqu'un? Makosso parle avec toi, il rit avec toi en fonction de ses intérêts. Makosso n'a pas d'intérêt avec toi, il peut jamais rire avec toi. Makosso Camille n'a pas d'intérêt avec toi, il ne va jamais rire avec toi. Donc si aujourd'hui il vous plébiscite, si aujourd'hui il vous amadoue, il vous dolote, c'est parce qu'il y a un truc au Cameroun qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est sa sale convention. Pour aller vous mentir. Parce qu'il sait, au Mali, jamais. Au Bénin, jamais. Au Togo, jamais. À Libreville, au Gabon, jamais. Il n'y a pas un peuple qui va l'accepter dans une convention si ce n'est que le Cameroun. Donc sa cible d'anarquement, sa cible d'anarque, c'est au Cameroun. Faites très attention à lui. Alors, de quel droit, jusqu'à aujourd'hui, la CAN est finie, je vois ce pasteur voleur qui porte le maillot du Cameroun. Encore, la CAN est finie. Cameroun est éliminé longtemps, longtemps. Ils sont troisième du championnat. Aujourd'hui, ils portent le drapeau camerounais pour dire Atagana vient de se réveiller. Famille, faites très attention. Peuple Mazo camerounais, faites très attention. Le démon va s'envoler sur votre pays. Le démon va s'envoler sur votre pays. Alors, alerte, alerte. Alerte, alerte. Il y a un danger qui plane sur le Cameroun. Alerte, alerte. Il y a un danger qui plane sur le Cameroun. L'arrivée du pasteur Lucky Luke qui a giflé comme ça une de vos compatriotes dans une église. Qui a été chassé du Cameroun. Et comment il va retourner au Cameroun pour aller chercher encore son argent, pour aller vous mentir et vous anarquer, c'est de faire camaraderie avec vous. C'est de faire un beurre sur le Cameroun et il va aller comme ça. Vous demandez pardon sur votre territoire. Et lorsqu'il va finir, il dira, je viens prier pour vous. N'oubliez pas. La vidéo de recul. La VAR, regardez bien dans la VAR. Il y a un problème dans la VAR. Il a giflé votre soeur en pleine convention. Faites très attention à lui. Alors, l'amitié que Makosso a liée avec vous, c'est purement et simplement par intérêt, parce que sa convention venait. Voilà si le seul problème. Peuple camerounais Mazo, chassez cet énergumène de votre pays. Il a un pays qui reste dans son pays. Il dit les gagous qui restent dans son pays. Voici le seul pasteur au monde, peuple camerounais, je vous explique. C'est nous là, on l'a fabriqué. C'est nous, c'est notre chose. Il vient de notre pays. Donc nous, on le connaît plus que vous. On le connaît plus que tout le monde. Voici un seul pasteur qui n'a jamais fait un seul culte un dimanche. Ne dit-on pas que le dimanche là, c'est le jour des chrétiens et le vendredi est le jour des musulmans? Ce monsieur-là n'a jamais fait un culte. Il n'est jamais rentré dans une église dimanche. Quel pasteur il est? Il y a un nouveau départ. Sa figure, on dirait, la tête est bloquée même. Voilà. Alors, ce monsieur-là n'est jamais rentré dans une église. Voici ce qu'il dit.
Il dit tous les dimanches, il passe dans toutes les églises pour aller prendre des quêtes avec ses pasteurs voleurs qu'il a formés. Avec ses pasteurs escrocs qu'il a formés. Faites très attention à lui. C'est un pasteur sans Bible, un pasteur sans église, un pasteur qui ne connaît rien de la parole, qui prend les dessins animés pour vous parler. Faites très attention à lui. Alors, famille, l'opération désabonnement continue toujours. Parce que cet homme est armé. Cet homme est armé dangereux. Cet homme-là, on doit prendre sa photo et puis on doit coller Wanted sur tous les murs. On doit plaquer sa photo Wanted parce qu'il est recherché par l'Afrique. Vous comprenez? Donc, demain là, nous on attend. Demain là, nous on est assis par terre. On va regarder où il a sorti son permis de port d'âme là. On va prendre le numéro matricule et on va fouiller depuis quand il a reçu son permis de port d'âme. On va envoyer ça au ministère de la Défense. Et il va nous dire comment il a sorti cette arme là. Il va nous dire. Alors cette arme là, famille, ce n'est pas parce que même on détient un permis de port d'âme quand on est habilité à prendre cette même arme là pour effrayer les gens et pour menacer les gens. Alors, Makoso se sert, soit il a le permis de port d'âme, il se sert de ce permis-là pour menacer des petites filles pour baisser leurs culottes. À ton âge, un vilain vieux comme toi, à ton âge, c'est avec des petits, tu traînes dans les jupons des petites filles. Un sorcier comme toi, un démon comme toi. Famille, faudrait pas que on loupe cet homme. Sinon, il va sévir. Il va sévir. Et vos soeurs et frères seront en danger. Vos petites soeurs seront en danger. Si vous ne dénoncez pas ce type, vos soeurs seront en danger. Famille, faites très attention à ce voleur de pasteurs. Parce que sa soeur était tout à l'heure en direct. Elle-même, elle a dit que son frère détient une arme réellement. Quel travail il fait pour avoir cette arme? Est-il en danger? Non. Il n'est pas en danger. Parce qu'il circule librement en Côte d'Ivoire tous les jours. Il voyage comme il veut en Côte d'Ivoire tous les jours. Donc, messieurs, dames, cet homme n'est pas en danger. Alors, pourquoi il détient une arme? Il détient une arme rien que pour menacer les personnes sans défense. Pour coucher avec des filles, pour escroquer les gens, il détient une arme à feu. Alors, il va nous dire d'où vient cette arme. Peuple camerounais, je vous ai averti. Je vous ai dit, prenez soin de vous. Ne laissez pas ce démon rentrer dans votre pays. Boycottez-moi rapidement cette convention. Parce que si il a giflé une personne, c'est qu'il va gifler deux personnes. Alors, si vous ne voulez pas m'écouter, j'interpelle Makoso. Makoso, pasteur Luc Luc, ce qu'on va faire là, si le peuple camerounais ne veut pas écouter mon message, ce qu'on va faire là, tu rentres dans la salle, tu leur bottes eux tous, tu les gifles eux tous, tu leur donnes des coups de pied par-ci par-là, s'ils ne veulent pas m'écouter. S'ils ne veulent pas m'écouter, tu les frappes normalement parce qu'ils sont maso. S'ils ne veulent pas m'écouter, tu rentres chez eux, tu les frappes normalement. Parce que vous, Camerounais, je vais vous dire quelque chose. Il y a moi un gars qui a druide parisien, ta bici, ta sale gueule là. Tu vas parler à moi? Peut-être te bloquer vite fait. Alors, famille, écoutez-moi bien. Ce peuple-là, nous sommes des frères. Aidons ce peuple-là à leur montrer le vrai visage du démon. Ce démon qui va aller sévir dans les pays. Ce démon qui va aller les escroquer. À l'aéroport, j'appelle le peuple camerounais de le booster hors d'état de nuit. Il n'a qu'à aller faire sa convention. Vous l'avez déjà fait des conventions en Côte d'Ivoire. Il fait pas convention en Côte d'Ivoire. Nous, on le connaît. C'est chez vous, il va aller vous marmailler. Pour avoir votre affection là. Il faut qu'il insulte Samuel Eto'o de cette façon. Pour avoir votre affection. Il faut qu'il nargue le peuple camerounais. Et après, venir vous demander pardon.
Alors, si vous ne faites pas attention, il va bien vous frapper. Il va bien vous frapper. Ce Makoso-là va bien vous frapper. Quelqu'un, voici un homme ici, qui a commencé à vilipender sa femme, traîner sa femme dans la boue, à 2 mois de sa mort, pour dire que c'est sa femme qui est à la base de la perte de ses biens. C'est un homme comme ça là, vous allez lui donner un crédit? C'est un homme comme ça qui va avoir un crédit devant vous? Alors, mon message ici ce soir, ça va se diriger, taguez-moi Hassan Hayek. Taguez-moi Hassan Hayek. Vite fait, taguez-le-moi. Je vais finir avec lui. Taguez-moi Hassan Hayek. Je vais finir avec lui. Frère Hassan Hayek. Ma vidéo, peut-être tu vas la prendre en cours. Tu sais, frère, la bénédiction ne doit pas se mélanger avec la malédiction. Ça ne fait pas bon ménage. C'est comme l'huile sur l'eau. C'est comme l'huile sur l'eau. La bénédiction ne doit pas faire bon ménage avec la malédiction. Frère, tu n'es pas vidéoman. Tu fais tes vidéos pour faire ton travail. Tu fais tes vidéos pour faire comme ça ce que Dieu t'a donné de faire. Ta mission sur cette terre-là, c'est pour ça seulement tu dois faire une vidéo. Ne réponds plus aux clowns. Ne réponds plus aux clowns, aux hypocrites. Parce que j'ai vu beaucoup d'hypocrites. J'ai vu beaucoup d'hypocrites que tu appelais frère, sœur, ma sœur, mon frère, ma sœur, mon frère. Tu les appelais comme ça. Aujourd'hui là, ils sont venus dire ton vrai nom. Mais eux là, je vais sortir sur eux. C'est parce que j'ai beaucoup de sujets pour le moment. Je suis d'abord sur le pasteur voleur. Quand je vais finir avec lui, je vais attraper ceux qui ont parlé des Libanais là, je vais les attraper. Et puis s'il s'amuse, le téléphone noir va crier fort. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, frère Hassan Hayek. Alors, frère Hassan Hayek, je t'en supplie, pour l'amour et l'affection que j'ai pour toi, je te demande pardon de ne plus jamais t'associer à un blogueur. Ne t'associe plus à un blogueur. Aucun blogueur n'est ton frère. Aucune blogueuse n'est ta sœur. Ne t'associe pas au blogueur. Ne t'associe pas au blogueur Mbrakata. Même s'il t'appelle pour te demander pardon, ne décroche pas ton téléphone. Sors de leur bêtise. Parce que si tu connaissais ta valeur, frère Hassan Hayek, si tu connaissais ta valeur, jamais un jour, tu allais causer avec ces énergumènes-là. Moi, je cause pas avec eux. Parce que je connais ma place. Moi, je n'ai aucun ami sur Facebook. Linda Bekondi, elle est découragée de moi. Tu n'as qu'à aller te faire voir ailleurs. Famille, excusez-moi, je bloque vite, vite. Hein. Mettez les têtes de mort sur les mauvais commentaires, je bloque. Frère Hassan Hayek, si tu connaissais ta place et ta valeur, jamais un jour, tu allais aller t'arrêter. Tu allais aller t'arrêter devant un blogueur pour discuter avec lui. C'est tous des hypocrites. C'est tous des hypocrites et des enregistreurs qui dans un mouvement. Fais ton mouvement. Fais ton mouvement toi seul. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Merci Nina Corinne. Moi, je suis seul. Je sors, j'allume celui que je veux allumer et je rentre dans ma coquille. Et je rentre dans ma coquille. C'est comme ça que je suis. Alors, mon dernier message pour finir. Mon dernier message pour finir. Excusez-moi, famille. Je vais voir quelque chose vite fait. Mon dernier message pour finir va s'adresser ici à Fior de Bior. Taguez-moi Fior de Bior.
écrivez son nom tagué Fior de Bior. Je vais lui donner un message très clair. Fior de Bior, il a fait sa vidéo demain. C'est mieux. Parce que sa vidéo là, c'est une belle vidéo pour lui. Famille, Makoso Camille ne pourra en aucun cas et au grand jamais porter plainte contre Apoutchou. C'est pas possible. N'ayez même pas peur, ne craignez même pas. Il n'a pas cœur de comme ça porter plainte contre Apoutchou. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si nous on devait porter plainte, contre Makoso, c'est la Côte d'Ivoire tout entière et l'Afrique qui allait porter plainte contre lui. Mais lui là, comme on ne le voit pas, c'est un déchet toxique. C'est quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Un partisan de moindre fort. Une personnalité non grata. Donc voilà pourquoi nous là, on le regarde comme ça. Comme c'est une personnalité non grata. Comme c'est une personnalité incognito. Voilà pourquoi nous là, on s'adresse même pas à lui. On le regarde comme ça. Sinon, si c'est pour porter plainte, papa, plainte là, tu vas recevoir ça. Violeur. Violeur. Tu n'as même pas honte de sortir une âme comme une petite fille. Contre une petite fille, que ce soit Sarah Messan, que ce soit Fleur de quoi là. I don't care. Nous, on s'en fout de ça. Nous, ce qui compte pour nous là, c'est qu'on a vu une vidéo où tu parlais dedans. Tu as dit, je compte jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, tu vas regretter. C'est une menace. Donc, ce qui veut dire que l'âme était dans ta main. Tu vas venir nous présenter ici les experts de Miami qui vont venir. La vidéo s'est passée le 25 novembre, c'est que le 28 novembre, tu as fait comme ça, c'est que le 32 novembre, c'est que le 69 juin, tu as fait, nous là, on s'en fout de ça. Nous là, on s'en fout de ça, merci Alain Kwame. Nous là, on n'en a rien à cirer des dates. Nous, ce qu'on sait là, on sait que tu détiens une âme pour menacer la petite fille de 20 ans. C'est ce que nous on sait. Nous là, c'est sur ça nous on s'appuie. C'est sur ça nous on se base pour nous dire, pour te dire que tu es un pervers narcissique. C'est de ça il s'agit. Moi là, je suis incorruptible. On ne peut pas me corrompre. Et je suis allé à l'école. Je ne suis pas allé aux écoles. Je suis allé à l'école. Donc moi là, on ne peut pas me trafiquer. Ce que mes yeux et mes oreilles ont entendu, pour moi, je pense à argent comptant. J'ai entendu dans ta vidéo que tu as dit à la fille, tu vas souffrir. Le simple fait de dire à quelqu'un que tu vas souffrir, c'est une menace. Le simple fait de dire à quelqu'un, je compte à 1, à 2, à 3, tu vas sortir d'ici, c'est une menace. Donc ça veut dire, si à 3, si 4 est arrivé, que la fille n'est pas sortie, tu risques de la tuer. Donc pour nous là, tu es une menace pour le peuple. Tu es une menace pour le peuple. Et nous, on va t'éradiquer de la toile. On va te faire coudre une soutane de pasteur. Et tu vas sauf que prêcher les dimanches. C'est ça, nous, on va te faire. Toi et puis ta famille de gangsters. Toi et puis ta vilaine famille de merde. Nous, toi et ta vilaine famille de merde. Toi avec tes soeurs qui ont cocotas sur les aisselles. Toi avec tes soeurs qui ont des dents comme des aiguilles. Toi, avec ta soeur qui a des dents comme des aiguilles, on va vous éradiquer de cette toile. On va vous chasser de cette toile. Toi et ta soeur qui fait la promotion de la dépigmentation. Toi et ta soeur qui font la promotion de la dépigmentation. Ta soeur qui a les vidéos des filles nues dans son téléphone. Parce que ces filles-là, elles cherchent un moyen pour les produits qu'elles avaient fait avant. Là, elles cherchent un moyen d'après toi. Elles pensent que tu es la solution à leurs problèmes. Elles pensent que tu es la solution à leur vergeture. Donc, elles t'envoient des vidéos. Rien que pour que tu regardes leurs vidéos. Mais comme leurs parties intimes sont dehors, donc tu prends leurs parties intimes pour leur faire du chantage. Ta plainte sera dans ta main. Espèce de vilaine fille.
ta plainte sera dans ta main. Je ne peux pas accepter qu'on ternisse le nom de mon pays. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'on ternisse le nom de mon pays. Je ne peux pas accepter que pour un oui, pour un non, on s'arroge le droit de dire aux mères ivoiriennes, vos mères bien qui sait, vos pères bien qui sait. Je ne peux pas accepter que pour un rien, tu ouvres ta gueule, toi la guénonne, pour insulter les parents ivoiriens et les parents africains. Je ne peux pas accepter aujourd'hui et je n'accepterai jamais demain. Va soigner la bosse de ton père qui traumatise son cerveau. Va soigner la bosse de ton père qui engloutit sa cervelle avant de venir insulter les mères innocentes qui sont en Côte d'Ivoire et les pères innocents. Tu es malade, toi? Tu es un frère voleur. Au lieu d'essayer de soigner ce frère, au lieu d'essayer de prendre ce frère pour envoyer ce frère dans un centre... chez les psychologues, ils vont aller vous traiter, ils vont enlever vos folies, vos souffrances qui vous a, la souffrance qui vous a, qui a joué sur votre cerveau. Au lieu d'aller voir des psychiatres, vous passez votre temps à insulter, à injurer, ça insulte le dessous des mères, ça insulte l'intimité des pères. Mais vous avez tiré à terre, vous êtes malade. Vous êtes une famille de malédiction. Vous êtes une famille de malédiction. Alors, tes sales aisselles noires qui sont en bas ici là, je vais te montrer un truc. Voici un savon. Voici un savon. On appelle ça Green Tea CBD Swap. Je te montre. C'est fait à base d'escargot et puis CBD. Voilà ça. Tu as vu ça là? Tu prends et puis tu gommes tes aisselles. Tu prends ça. C'est un savon magique. Voilà. Quand tu finis là, tu prends le sérum pour nettoyer la saleté de tes aisselles là. Ou bien la saleté de ton visage. Pour les bêtises qui sont sur ton visage là. Et lorsque tu finis, tu passes la crème et tu te vas dormir. C'est un savon magique. C'est ce qui est en train d'embellir ma peau. 60, tu envoies 80 euros, il va te donner. Toi, Jewis. Alors, famille, lancez, s'il vous plaît, mon message au peuple camerounais. Dites-leur que le pasteur Luc-Luc, dites-leur que le pasteur Luc-Luc arrive dans les pays pour semer la terreur, arrive dans les pays pour gifler une deuxième fois une de leurs compatriotes. Alors, cette convention-là, j'appelle le gouvernement camerounais. Un Ivoirien est quitté dans son pays et allait gifler une de votre compatriote. Ce même Ivoirien-là revient encore dans votre pays pour aller gifler cette fois-ci 5 compatriotes. N'acceptez pas son arrivée à l'aéroport. C'est ce même homme-là qui a mis aujourd'hui le feu entre le peuple camerounais et le peuple ivoirien. Cet homme-là, ça va répéter la même chose. Cet homme-là s'en va comme ça au Cameroun pour répéter la même chose. Parce que pour lui, il a eu ses vauriens. Pour lui, il a eu ses pigeons qui sont les femmes camerounaises. Mais maman, je vous dis, toujours je vous répète, vous pensez que la bénédiction que Dieu doit vous donner, la grâce, la gloire que vous devez avoir, vous pensez que ça doit passer par un homme? Vous pensez que si Dieu doit vous bénir, ça va passer par les bras d'un homme? L'homme là, il prie pour le salut de votre âme. Il ne prie pas pour que vous deveniez riche. Il ne prie pas pour que vous réussissiez dans votre vie. L'homme là, quand on dit homme de Dieu là, il prie pour le salut de vos âmes. Il ne prie pas pour que vous réussissiez. Il ne prie pas pour que vous vous mariez. Il ne prie pas pour que vous voyagez. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Au Canaillot, contrôle dit, tu m'as bloqué. Tu as fait quoi et puis je t'ai bloqué?
Ah, vraiment. Donc, famille, faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Ne laissez pas ce satrape-là aller une fois de plus dans votre pays pour aller refaire la même chose et ça va redevenir palable entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que si ça va cette fois-ci, il va gifler 3. Si ça va dans votre pays, il va gifler 3. Donc faites très attention parce que s'il gifle encore, ça va devenir problème entre vous et nous. Ça va devenir problème entre vous et nous. Il a fini avec la coupe, il s'en va encore dans la convention. Faites très attention à lui, famille. C'est un gars, aujourd'hui, il a une semaine de sa convention. Voilà, il vient de sortir une arme contre une fille ivoirienne. Voilà, il vient de menacer une fille ivoirienne. Rien que pour baisser sa culotte. Pour effacer les messages compromettants qu'il a dans son téléphone contre cette fille, il est obligé de la menacer avec une arme. Et on me dit, il aurait cassé son téléphone. C'est lui qui a payé le téléphone pour la fille ou bien c'est son papa qui a payé le téléphone pour la fille et puis il va casser. Il n'a qu'à casser les experts de Miami, les décortiqueurs de preuves. Vous là, pour vous, ça vient. Ne pensez pas pour vous, pensez aux autres. Fatou Dosso, ma maman chérie, Fatou Dosso, ma personne, tu dis de faire très attention à moi. Maman, moi j'ai fait la guerre d'Indochine. Moi, j'ai fait la guerre d'Indochine. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai tout traversé. Aujourd'hui, je peux partir en paix. Aujourd'hui, je peux mourir en paix. Parce que moi, j'ai tout vu. J'ai tout fait. J'ai tout traversé. Donc aujourd'hui là, je n'ai peur de rien. Je n'ai même pas peur de mourir. Mais c'est comment je vais mourir qui m'inquiète. Sinon, t'inquiète pas. Je suis un dur. Je suis un dur. Lui là. Lui et moi, on s'arrête. Je lui donne 5 secondes. Je lui donne 5 secondes. S'il a pu s'arrêter devant moi 5 secondes, il est garçon. Pour des gens qui me connaissent, vont lui dire. Il n'y a pas peur de lui. C'est la vérité, je suis venu, je ne suis pas venu l'insulter. Je ne suis pas ennemi à lui. Je ne suis pas ennemi à Makoso. Non, je ne suis jamais ennemi à lui. Moi, je ne suis pas ennemi à lui. Mais je dis la vérité. Parce qu'il a menacé une fille avec un pistolet. Je lui dis la vérité. Et rien ne va arriver. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. La personne qui sort sur Facebook pour venir avec moi et puis dire on va rentrer en clash. On va rentrer en clash. Parce que eux-mêmes, ils savent que j'ai clashé le plus gros clasheur qui est devenu coach matrimonial. Ils savent ça. Mais je ne suis pas ici pour les clashs. Je suis ici pour un combat. Si Makoso n'avait pas dit de sa bouche insulter la mère. Si Makoso n'avait pas insulté la mère des abonnés, s'il n'avait pas insulté la mère des internautes, je n'allais jamais sortir sur lui. Si sa sœur merdique là n'avait pas dit au mère, vos bien qui sait, au père, vos bien qui sait, je n'allais jamais sortir sur lui, sur eux. C'est parce qu'ils ont touché mon côté sensible. Je suis sorti sur eux et je sortirai tous les jours sur eux. Sinon, j'ai pas de problème avec eux. S'ils arrêtent d'insulter les mères, qu'ils fassent leur buzz, ça c'est eux qui voient. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça c'est eux qui voient. Mais moi, tant qu'ils vont s'arrêter, les abonnés vont prendre leur... Attendez, famille, réfléchissez avec moi. Ils vont prendre de leur argent. Ils vont prendre de leur passe internet. Ils vont prendre de leur argent. Ils vont prendre de leur passe internet. Ils vont prendre de leur temps. Ils vont prendre de leurs heures pour venir suivre ton direct. Et toi, en retour, comment tu leur dis merci? Les abonnés, vos mères, con, les gens vont... Mais comment est-ce qu'on peut être démoniaque et satanique comme ça? Comment on peut être démoniaque et satanique comme ça? Merci Fatou Dosso. Hein? Comment on peut être démoniaque et satanique comme ça? Au lieu d'applaudir les gens, au lieu de les encourager à venir écouter le message que tu veux leur transmettre, toi tu insultes les mères des maudits, des barbiers. Ta soeur aussi quitte là.
Rien que pour venir parler seulement, pour venir faire une vidéo, elle est obligée de dire, vos mères bien qui sait et votre père bien qui sait. Vous pensez qu'il y a vous raté, si vous ratez, que Dieu me punisse. Si moi, je vous rate, que Dieu me punisse à jamais. Alors, famille, c'était mon message de ce soir. Tous les jours à sa vidéo. Tous les jours à sa vidéo. Allez dire aux experts de Miami, là, ceux qui mènent les enquêtes, là, allez leur dire que nous, on a assis par terre. À faire ça, là, ça ne va pas finir comme ça. Le type, là, c'est un violeur. C'est un pervers. Et c'est une violente personne. Son petit corps là, est rempli de violence. Ouattara Lassina, tu parles de qui? Tu parles de moi ou bien tu parles de qui? Répète ton message, mon frère Ouattara Lassina. Je regarde. Vous comprenez? Cet homme là, son petit corps qui est celui là, c'est rempli de violence, c'est rempli de méchanceté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Yao. Tu ne peux pas protéger pour toi et puis sortir une âme sur pour les autres. Il n'y a pas pire injustice que ça. Merci, frère Ouattara Lassina. Tu ne peux pas couvrir pour toi et sortir une âme sur les autres, menacer les autres. Tu ne peux jamais faire ça. Tu ne peux pas payer Range Rover de pour toi. Au lieu de payer terrain pour elle, et puis venir sortir âme sur pour les autres. 20 ans et puis 18 ans là, il y a 2 ans d'écart. Mais si toi, ta fille, avait été menacée par une âme, tu seras le premier à courir pour aller à la gendarmerie. Mais comme c'est pour les autres, tu t'en fous de ça. Mais nous, on va te faire payer ça. Tu vas payer ça. Cette fille-là, nous, on va faire sortir cette fille-là. Et elle va porter plainte. Et elle va pas porter, elle va porter plainte à la présidence de la République. Parce que nous, on veut plus que tu sois sur notre toile. Nous, on veut assainir notre toile. Nous, on veut donner de bons messages à nos gens. À cause de toi aujourd'hui, j'ai beaucoup de sujets pour galvaniser ma troupe, pour donner des conseils à ma troupe, pour donner des bénédictions à ma troupe. Mais à cause de toi aujourd'hui, je suis obligé de crier. Tellement tu es une sale personne. Et qui dit ton nom là? Le diable n'est pas loin de cette personne. Qui prononce son nom, le diable n'est pas loin de cette personne. Ça fait qu'on perd nos valeurs. Ça fait qu'on perd nos valeurs et on perd nos dignités. Parce qu'on dit ton nom. Parce qu'on dit ton nom. Voleur. Escroc. Violent. Marmailleur. Mais nous là, tu as affaire à nous. Nous là, tu as affaire à nous. Alors, si le peuple camerounais ne veut pas m'écouter, tant pis pour eux. Tant pis pour eux si le peuple camerounais ne veut pas nous écouter. Mais il a giflé votre sœur. Cette fois-ci-là, il va aller gifler un de vos ministres. C'est là que vous allez comprendre. Merci beaucoup, Ange Amadeus. Amadeus, merci beaucoup. Vous comprenez? Si vous ne faites pas attention, il va rentrer à la prison. Allez gifler un de vos ministres. Donc, interdisez à ce monsieur l'accès à votre territoire. Il a un problème avec nous qui règle ça avec nous. Parce que la CAD, il nous a mis en palabre. C'est arrivé d'en déchirer des maillots. C'est arrivé d'un jus de maman. C'est arrivé d'un jus de pays. Ils ont insulté notre président. On a insulté votre président. Rien qu'à cause d'un seul individu. Cette fois-ci-là, il a fini, non? Il dit le 15 là, et ça va faire convention chez vous encore. Vous allez faire quoi? L'accepter? C'est qu'il n'y a pas un peuple qui est plus maso et plus immature que vous, Camerounais. Vous comprenez? Il n'y a pas un peuple qui est plus immature et plus maso que le Cameroun. Si vous acceptez ce monsieur dans une convention chez vous, c'est pas possible. Alors, je vous dis à tout peuple africain, quand la maison de ton voisin brûle là, faut pas être content, hein, parce que le feu va finir par atterrir chez toi. Donc, peuple africain, interpellez votre peuple camerounais, interdisez ce monsieur, il n'est pas pasteur, il n'a pas d'église, vous n'allez jamais le voir dimanche chez vous. Jamais.
Vous n'allez jamais le voir dimanche dans une église. Il n'a pas de Bible. Il n'a rien. Il n'écoute pas des versets avant de dormir. Le matin quand il se lève, il ne met même pas un verset biblique pour embellir sa journée. La seule chose qu'il sait, c'est de se mettre en bas d'un drap blanc pour insulter la mère con des abonnés. C'est un homme comme ça là. Vous le prenez pour un être humain. C'est un animal. C'est un animal. Famille. C'est un animal. Les gens qui le défendent là, eux, je les comprends. Je les comprends. Ils ont besoin de lui pour des choses. Je les comprends. Eux là, je les comprends. Ils ont besoin de lui pour faire des choses. Je les comprends. Eux là, il va arriver sur eux. J'ai dossier pour eux. Ils disent ils sont les vétérans, non? J'ai dossier pour eux. Il a fini ce dossier-là. Il a les cieux. Vous comprenez? Moi, là, avant de dormir, je mets un verset coranique. Quand il me lève, je mets un verset coranique. Dieu Wisquin dort là. C'est verset coranique dans sa maison. Dieu Wisquin se réveille là. C'est verset coranique dans sa maison. C'est verset coranique partout. Mon frère Ouattara. Quand il se lève là, c'est verset coranique dans sa maison. Quand il dort là, c'est verset coranique dans sa maison. Ouattara Lassina. Vous comprenez? Mais lui là, quand il se réveille là, c'est mère con. Quand il s'en va dormir là, c'est père con. Voilà lui son problème. C'est l'homme comme ça là, vous le prenez pour un être humain, c'est un animal. C'est un animal. C'est un animal. Faites très attention à cet animal. Alors, si ces familles, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous ai dit, pour Bob Lee, c'était 63 épisodes. On m'a demandé de doser, j'ai dosé un peu. Pour Makoso, bon, comme lui, il n'est pas trop, il a fait 48. Pour Makoso, il y a 48 épisodes. Pour Makoso, il y a 48 épisodes. On a fait 2, il est 46. Tous les jours, j'aurai épisode sur lui. La seule condition qu'il vienne demander pardon pour tous les mercons qu'il a dit là, qu'il vienne demander pardon de ça. Sa sœur, elle a signalé ma page. Elle, il y a 2800 épisodes sur elle. Sa sœur, elle a signalé ma page pour un rien. Il y a 2800 épisodes sur elle. Je ne vais pas les laisser. Qui s'attaque à la mère, qui s'attaque à la femme, qui s'attaque aux veuves, aux orphelins, mais trouveront sur le chemin. Mais je vais sortir mon épée et je vais les découper en pièces détachées. Vos mamans sont à la maison. Entrez dans la maison de vos mamans, ouvrez la porte et insultez vos mamans normalement. Pas la maman des innocents, pas la maman des internautes, pas la maman des abonnés. Bande de sauvages que vous êtes. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Bande de maudits. Si vous ne respectez pas pour vous là, si pour vous est comme ces pierres là, allez-y chercher pour vous. Ah, quelqu'un, un gars comme ça qui gifle son père. Un gars comme ça qui gifle son père. Un gars comme ça qui dit, moi ma mère là, vous savez que ma mère là, je n'ai rien à foutre, elle est, moi c'est mon père. Un gars comme ça qui gifle son père. Il sort de chez lui, et puis il vient insulter pour nous. On peut pas accepter sa famille. Famille, éradiquons cette famille de Facebook. Famille, boostons le microbe hors d'état de nuit. Boostons le microbe loin là-bas. Jetons le microbe. Chassons le microbe de notre environnement. Sinon, il va entacher notre environnement. J'ai pitié des enfants qui prennent des téléphones. Et puis, quand ils tombent sur sa vidéo là, tellement il y a beaucoup de partages là, les enfants là voient cette vidéo là. Mais on peut pas interdire nos enfants aujourd'hui. Tu as 14 ans, tu as 15 ans. On peut pas t'interdire de regarder Facebook. Parce que même l'enfant peut se cacher. Mais j'ai la peine pour ces enfants là. Merci, attends, il y a bois. Chantez mes garants. Vous comprenez? On ne peut pas interdire ces enfants-là. Mais regardez sur quoi ils tombent. Regardez sur quoi ils tombent. Une gueule remplie d'injures. Accumulée de gencives. Des dents séparées.
Un homme normal a 32 ans, un adulte, lui, il a 23. C'est l'homme comme ça, là, qui insulte la mère des gens, qui dit les pasteurs. Mais je viens encore demain. Demain, là, je viens encore. Les réunions que tu as formées pour aller voir les maires, là, je viens dessus demain. De toute façon, tu dis, tu t'envoies le maire de Yopougon et le maire de Port-Boué, demain. Et le maire d'Abobo, demain. Je vais venir expliquer quelque chose au maire. Demain, je sors. Je vais venir expliquer au maire. Le voleur.